C'est un transfert, c'est ça qu'on veut. Ah ouais, mais lui il cache. Oh, mais il engage. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire une petite sortie enduro. J'ai la chance d'avoir un bon spot d'enduro juste à côté de chez moi. C'est le Mont Verrier qui est un petit peu dans les hauteurs d'Annecy. Et je profite de l'occasion justement pour vous filmer un peu toutes les descentes, toutes les petits singles qu'il y a dans cet endroit. C'est vraiment cool. Et du coup j'ai pris Gontran qui est avec moi juste là. Yo. Et il connaît pas du tout le Mont Verrier, donc on va profiter de lui faire découvrir tout en même temps. Il va être devant et il va découvrir les pistes en même temps que vous. Et on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, là on a préparé les vélos et tout. On est avec Gontran. Et comme tout bon spot d'enduro, on monte à la pédale. Même si on n'est pas des gros enduristes avec Gontran, on va pédaler, hein. On est obligé, mais bon, c'est un bon spot et on va dire c'est pas trop raide. Dans la montée, je vais montrer à Gontran, en fait, il y a un gros road gap et j'aimerais bien justement le passer aujourd'hui dans la vidéo, ça peut être cool. Voilà, donc là on arrive au spot du road gap, je voulais vous le montrer avant qu'on arrive en haut sur les points de vue et tout. Vous voyez la route et là vous voyez justement le road gap derrière. On va monter, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, c'est un gap sans gros dénivelé mais avec un max de vitesse. Et regardez, hop, vous voyez là tout ça, hop, là vous voyez Gontran sur la pelle et vous voyez la récepte qui est là. Et est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? Moi je pense que je vais me motive. Je sais qu'il faudra avec beaucoup de vitesse, mais je pense qu'on va faire ça en fin de session quand on redescendra. Ça peut vraiment être cool de vous montrer comment il passe, mais clairement je pense que c'est beaucoup de vitesse. Ouais, on va arriver vite. Hein. Voilà. Bon allez. Nous on repart sur la montée là. Voilà, donc là on est en haut. Je vous fais profiter d'un petit point de vue plutôt sympathique avant de descendre. Regardez. Voilà. Bien cool. Donc là c'est le petit point de vue quand vous êtes en haut de Verrier. Donc à pas hésiter quand vous êtes en haut. Vous venez voir là, vous posez la petite bière avant de descendre ou autre. C'est pépouze. Donc voilà, bon nous là on se repose un peu parce que la montée nous a tué, on l'a monté en un coup. Et après on part direct sur les descentes. Allez. On va se faire une petite verte avec une bleue. Et après on va remonter pour une rouge. Et ce sera déjà une belle sortie enduro, comme ça vous verrez un peu à quoi ressemble le Verrier. On est avec Gontran, il découvre en même temps que vous, si vous connaissez pas le Verrier. Donc il va se mettre devant, c'est toujours mieux d'avoir un pilote devant. On a mis les gants, loose rider, normal hein. Et voilà. Yes. C'est un transfert, c'est ça qu'on veut. Il est déjà à l'aise direct. Hein. Hop. Petit jump. C'est de l'enduro tranquille, clairement. Voilà. Yo. Oh là, l'ornière. Et ça part en freeride. Hop. J'ai vu, bien gros. Et là pareil hein. Tu vas voir, cette partie là est vraiment plus cool. Hop. Là il y a un petit jump sympa. Yes, ça met en travers. Yo. Il double, il enchaîne tout direct. Yo. D'habitude les gens qui connaissent pas ils sortent là. Là c'est vrai, tranquille. Et ils enchaînent les gros. Et... Il est chaud hein. Voilà, on rattrape. Yes, ça glisse. Bien, ça prend l'extérieur. Olé. Là c'est raide là. Oh, c'est malade. Wow. Oh, c'était beau ça. Moi je passerai là. Voilà. Yes. Là c'est ultra roulant là. Il y a des bons petits transferts à faire.
Oh. Yes. Fais gaffe, Orb. Ouais, il y a un arbre qui est tombé là récemment. Ah, bien vu. Moi je partais souvent. Ah ouais, ouais, j'ai pour ça j'ai fait fais gaffe, arbre. J'ai arrivé en mode hop. Ah oui, et ça va à droite. Et ouais, ça va à droite. Ouais, y a rien de compliqué hein. Vas-y. Tu suis mon rythme, c'est good. Yes. On est déjà là. Ouais gros, non mais on descend vite hein. Donc voilà, là on est enfin remonté en haut, mais on est remonté encore plus haut que la dernière fois. Et bah en fait y a, dans le Verrier il y a plein de sentiers de vélo, donc on en découvre tous les jours. Et du coup là on va essayer de faire celle-là. Aucune idée de où ça mène, mais le but c'est d'arriver jusqu'au camion en bas pour pouvoir finir cette petite journée enduro. Donc là je pense qu'on a pas mal de descentes à faire. Un petit peu freeride, ça va être cool. Bon allez go. Allez. Ouah, c'est caillouteux le bordel. Ouh. Ouh. Ouah. Ah voilà. Hop. Ah là, on a de la bonne terre là. Le mieux, c'est tout le temps à gauche, gros. Pour retomber sur la rouge. Je vais la tenter. Wouhou! Yes! C'est trop cool les virages. Yes! Wouhou! Quoi? Ouais. Moi je pense que tu trouves une ligne à droite, go. Ah bah tu vois il y a la route. Ah oui c'était là le goulet qu'on avait repéré dans la montée. Yes. You. Bon il était pas si ouf que ça. Yes. Et bah au final, gros on a réussi à trouver hein. Ouais de ouf. Elle est beaucoup plus raide celle-là. Allez hein. Ah bah je te suis. Ouais mais lui il cache. Yes. Hop. Ah il y a des appuis. Oh. Ouais c'est ce que j'allais dire. Oh t'as tiré dans des cailloux. Oh. Yes. Petit jump. Oh. Oh, y'a quoi derrière? Oh, y'a moyen d'aller trop loin là. Mais énorme! Oh, 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 mais il engage. Oh, 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 oh. Mais non! Oh, mais là ça passait pas! Ah non, trop boueux les gars! Je l'ai vu arriver! Oh. Ah elle est trop bien celle-là. Oh quand ça va être là, sec par contre, ouais, je l'ai ouais non, ouais, t'as bien fait de pas sauter. Je pense t'arrives, ça fait boum, et ça t'arrête. Non, je voulais sauter, mais en fait à chaque fois que je fais la verte là, à gauche, je vois ça, et je passe pour voir si c'est sec, mais ouais, là, c'est, un c'est toujours le même truc. Et en fait pour moi, pour sauter le road gap, c'est d'ici. Je vais voir. Wouah! En vrai, ça peut passer très crème. Hein. Je pense que ça passe crème. Ouais. Faut vraiment lâcher les freins. Quoi. Par contre, tu touches pas aux freins dès le départ. C'est le goulot là-bas, mon gars, faut pas te rater. Hein. Bon, voilà, on a checké un peu le speed avec le vélo. Et bah, on va tenter le road gap. Il y a Gontran qui est là pour. Bah, il y a encore des voitures qui passent. Coucou! Et bah, du coup, il y a Gontran qui va prendre une shot vidéo là. Et bah, ça va être full speed, on réfléchit pas. Ça va être vraiment full speed, je vous le dis. Je vais juste aller checker quand même la réception, on sait jamais. Voilà, on est en haut du road gap. Je
Je pense qu'il n'y a pas 36 000 questions, c'est full speed et on tire beaucoup de vitesse. On va essayer de s'arrêter derrière. Hein. Allez. T'es prêt? Allez. Yahoo! Wow! Yahoo! Wouh! En fait, il est bidon. Il est bidon. Mais je suis pas arrivé si vite que ça. Hein. Mais gros, t'as atterri. Non. Hein. T'as un roue arrière, elle a atterri là. Où? Là. Ah ouais, ok. Bon, moi, je m'attendais à être beaucoup plus loin. En vrai. Bon, bah voilà, c'est validé. Bon, je reviendrai, je pense, avec un photographe faire des gros suicides. Je pense ça va passer. Après, le kick, il est à refaire, clairement. Ouais, il est plat. Donc, du coup, j'ai dû tirer, mettre mon vélo comme ça. Mais bon, pour une première, c'était un peu l'objectif de, on va dire, de aujourd'hui. Oui. Et là, bah, on va finir jusqu'au van. Il y a une petite descente sympatoche, tu vas voir. Avec une petite dalle, si tu te motives. Il est juste en bas là. Ouais, alors là t'as le choix entre une noire là. On va partir sur la noire. Ouais, bah tranquillou, je te dis. Attends, tranquillou. Premier virage très dangereux. Ah ouais. Ouais. Ah, très dangereux. C'est de l'enduro quoi. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Ah, il sort le pied. Ouais, j'ai pas pris comme toi. Faut bien prendre large. Ouais. Je te montre, c'est raide mais ça passe bien. Youhou! Ah! Et là peut-être la pierre. Yes, il fait la pierre. Voilà, là on enchaîne là. Yes. Oh, l'ornière. Voilà. Et on arrive pour cette petite enduro du matin. Et bah ça fait plaisir. Ah bah que d'émotions quand même pour une sortie enduro. Bon. Bien joué. Voilà, t'auras découvert le verrier. Ouais, de ouf. Alors t'en penses quoi? Trop bien. C'est cool hein. On va revenir. Ah bah oui. Bon voilà, c'est fini pour nous, on est mort. On n'a pas l'habitude de monter autant. Là je pense qu'on va aller se faire une petite session dehors tout après-midi tranquillou à Annecy. Donc si vous avez aimé cette petite découverte du verrier, bah n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des bonnes traces aussi à nous conseiller dans le verrier, je suis carrément preneur. En plus vous avez eu en prime un petit road gap qui était prévu sans être prévu, on n'était pas sûr de le passer. Donc voilà, bah j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à dimanche prochain, allez ciao.